Bonjour YouTube, on se retrouve pour une nouvelle semaine de sport, de vlog, de tout ce que vous voulez. Cette semaine, il n'y aura pas de corde à sauter, tant mieux pour vous, je sais pas, tant mieux pour moi. Non, parce que j'aime bien la corde à sauter, ça dure que 15 minutes. Parce que mon petit frère est parti en vacances avec mes parents pendant 10 jours, mais elle a pris sa corde à sauter. Du coup, je vais pouvoir faire que du night training, ou au pire aller courir, mais j'ai un peu la flemme de courir. Et là, je suis un peu dégoûté parce que je viens de perdre 5 balles, hein, 2,50€, parce que c'est la moitié qui est tombée par terre quasiment. En gros, j'avais un bubble tea et je voulais le tester en vidéo, genre sur TikTok ou sur Instagram. Et du coup, j'ai perdu la moitié parce que je l'ai mis dans un coin du frigo où ça pouvait tomber. Et je sais pas à quoi je m'attendais, genre je me dis, il y a une protection en plastique, ça va pas se percer, tu vois. Et il est tombé, et ça s'est percé pile sur le truc, comme le gobelet en plastique, qui n'arrive quasiment jamais en fait. Et ça a dû m'arriver à moi. Bon, je viens de perdre 5€. Pourquoi? Parce que je voulais tester un bubble tea en vidéo. Je l'ai placé dans le frigo. En même temps, là où il était placé, il fallait s'en douter. Hein. Et là, il n'y a pas de barrière. Mais je me suis dit, ouais, vas-y, de toute façon, même s'il tombe, il y a un plastique. Il est tombé. Le plastique, il s'est percé. Je sais pas si vous voyez, mais là, du coup, il y a un truc. J'ai réussi à transvider que ça dans un verre. Il me reste les bulles. Tout le reste est par terre. Type pour goûter un bubble tea. Hein. Putain, il a pas essayé de la merde encore. Je vais goûter sans déjà. C'est pas mauvais. Bubble tea, grenade, perle de mangue. Je suis juste dégoûté parce que je viens de perdre 5 balles. J'aurais pu, après mon sport, boire un petit bubble tea. Mini bubble tea. Ça va. C'est pas exceptionnel, mais ça va. J'aime bien quand les boules ils éclatent dans la bouche. Mais leur goût, sinon, il est bizarre. Ça me dégoûte en fait. Enfin, ça me dégoûte d'avoir perdu 5 balles. On adore. Bon, en tout cas, j'ai la flemme de faire du sport à mort, là. Alors, vraiment, j'ai la flemme à mort. Bon, je viens de regarder le sport que je dois faire aujourd'hui, c'est HIIT de 20 minutes. En gros, c'est des exercices, genre, on va commencer par un exercice, après, ça va être, on fait deux exercices avec le premier, ainsi de suite, genre, ça monte comme ça, et ça redescend. Et là, ça va être ça pendant 20 minutes. De faire du sport là, 20 minutes, ça va en vrai, là je suis bien, là je vais peut-être nettoyer la piscine et peut-être, genre vraiment peut-être y aller. Bon là on est mercredi, hier j'ai pas fait de sport parce que du coup j'avais des trucs à faire, c'est mon petit frère, il est parti en vacances et il a pris sa corde à sauter, du coup j'ai dû découper un fil qui traînait dans la cour pour faire de la corde à sauter, j'espère que ça va avoir le même effet hein. Parce que je fais pas ça pour rien. J'ai fini de faire de la corde à sauter là. 15 minutes de corde. J'ai alterné avec des pas chassés entre certains sauts. J'ai alterné avec des levées de genoux, pardon. Des pieds-fesses. Des squats. Et des petits montées de tibia. Je me refle. Il y a plusieurs fois, genre. Quand j'étais arrivé à 3 minutes, 2 minutes, je me dis. Allez, c'est très bien, 12 minutes, très bien. Et j'ai continué jusqu'au bout. Et je suis fier un peu. Parce que j'ai dépassé ma flemme en plus. J'ai oublié de vous montrer hier à quel stade j'en étais. Je sais pas si j'ai changé. J'en sais rien. J'ai trop l'habitude de me voir, c'est pour ça. Niveau poids, j'en suis à 88. 87. J'ai perdu entre 1 kg et 300 grammes. On pourra avancer plus vite, mais je sais pas. J'ai la flemme. Bon, on se retrouve vendredi. J'ai pas fait de sport hier. Parce que j'avais la flemme en fait. Puis comme en fait mon petit frère il a pris sa corde à sauter et son tapis, j'ai la flemme de faire du sport. Du coup là je vais refaire de la corde à sauter avec la table orange que j'ai récupéré. Mais je trouve ça super super dur. Du coup, je pense qu'aujourd'hui, je vais redescendre à 10 minutes de corde à sauter. Et je vous ai pas raconté, je crois que c'est mercredi. Je vous raconte l'histoire vite fait. J'étais dans mon petit camion. Et à un moment, j'étais au téléphone avec ma cousine. C'était au moment des ventes. Donc, c'était mardi. C'était mardi carrément. En gros, mardi, il y avait les ventes de Taylor Swift. Et j'étais au téléphone avec ma cousine pendant que je conduisais. On était au truc des ventes de Taylor Swift et tout. On était waouh, on avance plus trop là, ça bug un peu, on avance plus trop. C'est parce que c'était la seule qui avait les codes. Ça s'est connecté, elle était genre 26 000 et en une heure, elle était rendue de 10 000. Elle est arrivée à
13 000, puis après le site il a bugué. De Ticketmaster, on les remercie beaucoup, on les adore. Genre, du coup, là, j'ai dû arrêter l'appel parce que je passe à côté d'un truc et là, genre, je vois un vieux qui tombe comme ça. Genre, il était en béquille, il trébuche et tout. Il y a deux voitures avant moi, tu vois, qui auraient pu s'arrêter. Du coup, il y avait trois voitures, donc je pense 40, 50 mètres. Et je vois les deux voitures qui sont devant, ils accélèrent. Du coup, je dis à ma cousine, bah, je vais devoir te laisser, il y a une personne qui est tombée. Enfin, du coup, je ferme mon enceinte, je ferme le camion, je descends. Parce que je voyais qu'il bougeait, donc je me dis, ça se tombe, le temps que j'arrive, il va se relever. Je vais 10 mètres pour aller le voir. Genre, je vois, il a réussi à se retourner. Je lui dis, vous avez besoin d'aide? Comme s'il allait me répondre, non, non, je teste le sol, là, je teste le béton s'il est assez. S'il est confortable. Et oui, qu'il a besoin d'aide. Attendez, je vais passer votre main et tout. J'arrive à l'asseoir. Bah, comme moi, je me suis arrêté, il y a une dame qui s'est arrêtée bah, déjà en voiture. Une autre à pied. La voiture d'après, elle s'est arrêtée, du coup, c'était gentil. Enfin, après ou encore après, c'est arrêté, donc du coup, c'était super gentil. J'ai du mal à raconter des histoires, je suis vraiment une grosse merde. Je lui dis, monsieur, vous voulez qu'on appelle quelqu'un? Il dit, oui, appelez le 18. Du coup, il était conscient qu'il fallait appeler le 18, ça c'est cool. Et déjà, il saignait d'ici, genre de sa montre et tout. Il saignait du coup parce qu'il s'était déjà ouvert et du coup, ça s'est rouvert. J'ai attendu le 18 et tout. Voilà. Donc, tout ça pour dire, genre, n'attendez pas que quelqu'un s'arrête. Genre, arrêtez-vous. C'est vous la personne qu'il faut qu'il s'arrête. C'est pas la personne d'après. Vous êtes pas sûr que quelqu'un va s'arrêter vraiment. La preuve, genre, je me serais pas arrêté. Moi, un mouvement de mouton. Il faut qu'une personne s'arrête pour que tout le monde s'arrête. Ou il faut qu'une personne danse pour que tout le monde danse, tu vois. Si personne se met à danser, bah personne dansera. C'est trop compliqué, j'essaye d'avoir une morale à l'histoire. Juste, arrêtez-vous si vous voyez quelqu'un en danger. Bon, du coup, j'ai retrouvé mon câble. Enfin, la corde à sauter. C'est vraiment la flemme, du coup. Mon petit frère, il abuse, il aurait pu me laisser la corde. Je suis même pas sûr qu'il en fasse vraiment, genre. Il gave. Je viens de finir les 10 minutes de corde à sauter. J'ai fait quelques pas, non, quelques montées de genoux et quelques pieds cul, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai vite fait étirer mes mollets. C'est fini pour aujourd'hui. Demain ou dimanche, j'espère que je vais refaire du sport parce que 3 jours c'est pas assez en vrai. Voilà. Don't ask me